Nous sommes le 1er mars 2024. Je suis revenu à la maison de Kurt Cobain. Enfin, c'est là qu'il a vécu dans les années 90. Je suis allé à plusieurs reprises l'an dernier et beaucoup de gens m'ont demandé ce que devenait la maison, puisqu'on était plusieurs à dire que la maison allait être détruite très prochainement. Eh bien, elle est toujours là. Le jardin est bien vert, c'est carrément luxuriant. On n'a pas l'impression que des gens sont vraiment venus et vu les images que j'ai prises en drone, pas eu vraiment d'infraction sur la maison, comme je l'avais remarqué l'été dernier et qui m'avait permis d'ailleurs de visiter l'intérieur. C'est pas resté ouvert trop longtemps d'ailleurs, ça a été vite refermé. Maintenant, on n'a pas d'informations à savoir quand elle va être détruite. En tout cas, elle commence vraiment à montrer des signes de fatigue extrême.